En s'imposant 2-1 face à Caen, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour une nouvelle finale de la Coupe de France. À ce stade de la compétition, c'est la première fois qu'il affrontera un club de national l'équivalent de la 3e division. Pour le PSG, c'est une finale de plus, pour les Herbiers, une apothéose. Les supporters parisiens ont côtoyé les supporters des grandes d'Europe. Barcelone, Chelsea, Real ou Bayern. Face aux Herbiers, c'est une autre histoire qui s'écrit, mais avec le même respect. C'est très bien, c'est un beau parcours. Et ce sera une très très belle expérience. S'ils sont arrivés là, c'est qu'ils ont le niveau pour gagner, mais pas contre le PSG. On a déjà vu des surprises, hein, parce qu'ils en veulent aussi les Herbiers, c'est légitime en même temps. Hein, ils ne viennent pas pour se prendre une raclée non plus, hein, ils vont tout donner, hein, les gars. C'est une finale de coupe et il ne faut pas les prendre de haut, il faut jouer notre football et voir ce qu'on a à faire. Quoi. Cette finale face aux Herbiers, le PSG la prépare de la même façon que les autres rencontres. Avec respect à l'adversaire qui a mérité d'être cette finale, et avec le respect de la Coupe de France, et avec l'envie de gagner un titre. Paris Saint-Germain, les Herbiers, le face-à-face entre une équipe qui veut gagner une 4e Coupe de France consécutive et une équipe qui veut aller jusqu'au bout de son rêve.